Ce ne sera pas l'île de Wight, mais Amougies restera le nom du premier festival pop de Belgique. Ce ne sera pas non plus un festival pop dans la tradition la plus pure. Au pied du mont Blanclus, hippies et fanatiques de musique se mêleront aux curieux, aux touristes et aux villageois. Amougies ne sera pas non plus un marché de la drogue ni un meeting contestataire. Aux vapeurs de l'encens se mêlera l'odeur des frites. Le producteur Georges Caracos a fait préparer des dizaines de milliers de saucisses, de sandwichs et de steaks surgelés. Dans la prairie, le sanctuaire s'élève, un chapiteau de 6000 mètres carrés pouvant accueillir 12 000 personnes. C'est la 2, la 3 ouverte. Tout est ouvert à fond. Luc, inverse pour voir les prises à la sortie. Passe sur la 1. Des dizaines d'orchestres, pop et free, pendant 3 nuits, feront éclater les sons électroniques. Le bourgmestre d'Amougies a accepté le festival. Le mythe du hippie ne lui fait pas peur. Au départ, l'organisateur, M. Georges Caracos, était très ennuyé concernant l'organisation parce que vous vous trouvez dans un petit village, comme je viens de dire, de 956 habitants, et un festival, ça se prépare 3-4 mois d'avance. Je dois vous dire qu'il était prêt, mais l'emplacement n'était pas trouvé. Eh bien, nous avons eu la collaboration complète de tous les agriculteurs de cette partie de la commune, qui ont mis à notre disposition prairies et champs pour pouvoir permettre à cette société que ce festival se déroule dans les meilleures conditions. Il se trouvait que notre bourgmestre soit à tourner à ce moment-là, et M. de la Lâcherie, qui est l'entrepreneur de construction, lui a demandé « Est-ce que vous ne pourriez pas trouver un emplacement ?»
pour nous dépanner. Je suis là avec mes camions chargés sur la plaine de manœuvre. Et il faut trouver une solution. Et il ne reste plus que 8 jours pour faire cette installation. Car il y a un dédit, si ce ne se fait pas le 24 octobre, il y a un dédit de 40 millions. Alors, vu que je suis son camarade, il me dit, est-ce que tu n'aurais pas une prairie qui puisse convenir? Mais ce monsieur viendrait déjà demain pour te contacter. Mais je dis, tiens, pour faire plaisir, à qu'il vienne, on verra après. Et le lendemain, il est venu, j'ai donné mon accord de principe. Bourgmestre n'était pas chaud, mais le commissaire d'arrondissement lui a dit, il faut accepter. Tourner refuse cette chose-là, eh bien ils vont perdre 50 millions par ce fait-là. Donc nous avons accepté, et comme ça ils sont venus ici à Amougies. Ils sont venus, trouvant sans peine l'itinéraire, certains faisant des milliers de kilomètres après plusieurs nuits sans sommeil. Ils sont venus pour écouter. Peur, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi je l'ai accepté? Je l'ai accepté, et je me répète, parce que je suis épris de liberté. La presse, la radio, tout ça est libre. Eh bien, je crois que nous devons laisser aussi une liberté aux jeunes, surtout comme ils veulent vivre leur vie. Quand on voit des centaines de hippies, comme on les appelle, peut-être que sur le plan moral, quoi. Enfin, ça n'est pas un bon exemple pour les jeunes du village, mon opinion. Quand on les voit se promener en débraillé, n'est-ce pas ? Un peu oisif même pendant la journée, alors, je ne sais pas ce que... Les jeunes de ce petit village doivent penser de ça. Alors, ils se sont mis dans l'herbe autour de l'église. Ils logeaient ainsi. Allongé dans l'herbe avec un plastique ou une couverture. Ce n'était pas beau à voir, ça il doit dire. Ce n'était pas beau à voir. Je ne dis pas. On portait un jugement sur leur vie, mais le spectacle qu'ils donnent à ce moment-là, c'est pas. Les motifs qui les mène ici, du midi de la France, même comme j'ai vu dans le journal des États-Unis, il paraît, trouver le journal aujourd'hui, alors ça, je ne comprends pas, pourquoi ils font un déplacement tel. C'est une foi qui les pousse quand même, non ? Mais pas l'impression. Je ne connais pas leur idéal, ni le but qu'ils ont de ces hippies, comme on les appelle. C'est pas ce qu'ils veulent. On dit qu'ils veulent vivre une vie pauvre, j'ai entendu ça. Pauvreté n'est pas toujours synonyme de négligence ou de vivre en débraillé, là. Hein. Je suis le garde-champêtre de la commune d'Amougies. Question problème, je n'ai pas eu de problème difficile à régler de ces jours. Plutôt problème de circulation. Reste, c'est secondaire, quoi. On n'a pas eu de pépins, on n'a pas eu de misère. Le festival en lui-même, je trouve que ça n'est pas mal, quoi. Les jeunes, je les apprécie. Je ne vois aucun inconvénient à ce que ça puisse se dérouler dans notre village. Reste à voir la suite des 4 jours qui vont suivre, quoi. Pour nous, jusqu'à présent, rien de spécial. Sinon, ben, quelques problèmes de roulage, sinon, rien de spécial. Si vous voyez un poisson nager dans la Seine, vous avez 9 chances sur 10 de le voir nager sur le dos. C'est nouveau ! C'est nouveau ! Agigi Mouna. Il a fait une partie du trajet Paris à Amougies en bicyclette. Paris,
il vient vendre son journal et prendre la parole. Au-delà du personnage pittoresque, des discours verbeux et pacifistes, il faut reconnaître en lui une sorte de philosophe, un prédicateur de la fraternité, un prophète dénonçant les dangers de la bombe atomique. C'est très important, car les retombées radioactives, selon des avis autorisés tels que ceux de Jean Rostand, de Bertrand Russell et de Linus Pauling, prix Nobel, auraient comme conséquence des essais qui ont la naissance d'enfants déficients mentalement et physiquement. Ils sont gentils. Le bourgmestre lui-même ce matin m'a serré la main. J'ai eu très bon contact avec, également avec la police qui m'a contrôlé. Les gendarmes m'ont contrôlé, mais d'une façon très correcte. J'étais en règle. J'étais parfaitement en règle. Mais j'étais surpris tout de même d'être le seul contrôlé. Ça, c'était... Mais enfin, j'ai l'habitude, plus ou moins, dans mon propre pays, d'être contrôlé assez souvent. En venant en vélo, non pas de Paris, comme le journal le disait ce matin, mais de Tournai tout simplement, j'ai eu le plaisir d'être salué à trois reprises par des automobilistes. Un bonjour comme ça, c'est rien, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est souvenir du mois de mai l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé en mai? Ben, à Paris, en mai, il s'est passé des choses. Il y a eu les barricades, il y a eu la violence. J'étais pas tout à fait pas d'accord du tout avec ces moyens de violence. Je dois l'avouer, car un jour, je me souviens, je me suis placé dans le No Man's Land, c'est-à-dire dans l'espace qui séparait les étudiants et les forces de l'ordre, les forces de police. Les forces de police, ça les fait rire. Alors je me suis amené avec un bouquet de fleurs et je disais que les matraques se transforment en bouquet de fleurs et que les pavés également trouvent la forme d'une fleur. Je m'étais fleuri la barbe. Alors pourquoi je m'étais fleuri la barbe? Parce que déjà je pensais que je donnais la préférence aux fleurs contre les bombes, contre les canons. Alors je dis tout en fleurs ou tout en canon maintenant. Amougies accueille les envahisseurs avec bonne humeur. Quelques commerçants notamment sont visiblement enchantés. Ils n'ont jamais vu cela. 20 000 bouches à nourrir en quelques jours, c'est une aubaine. Il y a bien sûr des exceptions, sans doute parce que les fleurs artificielles se vendent moins bien que le saucisson. Au départ, j'étais pas très chaud pour cette histoire, bien sûr, parce que, après ce qu'on a pu lire au sujet de l'île de Wight, eh bien, je vais te dire que j'en avais fait une idée, je m'étais fait plutôt une idée, en disant que je ne pouvais rien nous donner de valable pour le village, puisque, au point de vue acte qui aurait pu se passer donc sur la voie publique, que la morale réprouve. Alors ensuite, pour la tranquillité de nos habitants, du village, à mon avis, c'était une chose qu'il ne fallait pas accepter au départ. Pour moi, jeunesse, il faut que jeunesse se passe. C'est beau d'être groupé, qui n'ont pas d'ennemis. En même temps qu'ils sont l'un pour l'autre, on voit quand ils viennent pour acheter, l'un aide l'un l'autre à acheter, ou bien à payer ceci, cela, ils s'entendent très bien, jusque maintenant tout se passe bien. C'est ce qu'il faut, hein. Et toi, tu ne dis rien? Ah ben si, tu peux dire, pourquoi pas? Faut pas avoir peur. Mais non, ma femme a plutôt peur de ces gens, mais elle ne doit pas avoir peur. Je n'ai pas jamais peur. Ah bien. J'aimerais que ce soit à leur maison. Ah oui, mais ils ne vont pas nous manger, hein. Tiens, que voulez-vous? Ah ben oui, mais les jeunes. Moi j'aime bien ces jeunes. Enfin, c'est un genre de scoutisme, pour ainsi dire, des scouts. Qui voyagent, mais d'une autre façon. Au point de vue livraison bière, ça a été un coup terrible, enfin. Alors, l'initiative du bourgmestre, qui a causé tout ça, enfin, ce qui a amené tout ce tas de gens, personnes dans tous les coins du monde, si on peut dire.
Et alors, on n'en revient pas encore dans la petite commune d'Amougies, quoi. C'est formidable. C'est formidable. De ce qu'on pensait de... des hippies, enfin, c'est tout à fait... Enfin, pour mon compte propre, c'est tout à fait opposé à ce qu'on on pouvait croire auparavant. En face de la gare désaffectée, la boulangerie artisanale devient usine à pain. On a été pris au dépourvu, on ne savait pas comment en cuire, et puis on a cuit toute la journée. J'ai chapiteau à 4 heures, je suis revenu à 5 heures et j'ai commencé à cuire pour aujourd'hui, quoi, pour dire que ça va suivre. Parce qu'il y en a qui sont partis, il y en a qui reviennent aujourd'hui, donc il faudra encore du pain, hein, en supplément. Et ici, malheureusement, vu que le fils de mon frère n'était pas là, on a eu des ennuis pour travailler, mais ça a été quand même. On a fait notre possible. Et tout le monde a bien vu et tout le monde a fait du bénéfice, si vous voulez. C'est unique, même en Europe, ça. Je ne sais pas si ça s'est déjà produit. Ça s'est produit en Angleterre, là, l'île de Wake. Mais là, il y a eu des grabuches. Hein. Tandis qu'ici, ça ne s'est rien passé. À part hier, vers 2h, 2h30, il y a eu une petite histoire. Il y en a qui ne voulaient pas sortir, je crois. Puis ça s'est arrangé. Et je vois que ça continue. Il n'y a personne qui se sent plaint, je crois. Très poli. Très honnête. Ça, j'ai rien à reprocher. Tous ceux qui sont venus ici, ils étaient très très gentils. Ils m'ont payé en français. Naturellement, j'ai compté un supplément. Et celui qui paye en belge, j'ai payé le prix courant, quoi, le prix imposé. C'est ce qu'il faut faire pour ne pas profiter de l'occasion pour voler les gens, quoi. C'est juste, hein. Won't you welcome, please, a most distinguished group from England, the Nice. What can I do? She's still saying it's true. But how it was? What will I find? Has no fancy why? She says what she does. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? Depuis 2-3 jours, je constate que ça vit. Et pour un village de 970 habitants, eh bien, il vient de recevoir ici un populo, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 000 personnes. C'est très important. D'ailleurs, on peut constater qu'ils sont probablement tous fatigués, ils sont calmes. Vous voyez, ils sont relax. Alors nous avons quand même le soleil avec nous aujourd'hui aussi. C'est important. C'est surtout important pour les parkings. J'ai pu assister hier soir à la représentation. Bien, c'était sensationnel. Ils ont refusé 3000 places hier soir. Plus de 16 000 personnes sous ce chapiteau. C'est incroyable. C'est incroyable en effet. 20 000 jeunes qui vivent de musique, d'une musique qui souvent est très belle, d'une musique qui annonce confusément un changement, un avenir qu'on ne peut ignorer.
les habitants d'Amougies le savent peut-être maintenant. What can I do? She's the same with you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be when it seems? How can we hang on to a dream?
Thank you.
howl like a wind, made my heart grow cold. Made me long for that little red farm. She made things fly, she made things roll. She got me way over here and I'm hungry and cold. And I remember my mother told me I ought to be choosing. That were way back when, I thought you were my friend. Now I find out she's a floozy. I remember the butterflies and the sweet smell of corn. And the bubbling fish in that little pond. Oh, Lucy, oh, Lucy, how long for you, how long for you? That little bluesy, oh, how I feel her. She's too much for my mirror. Thank you.
Thank you.
Thank you.
grande première ce soir de Pink Floyd plus Frank Zappa. Thank you.
Mr. Frank Zappa. Ladies and gentlemen, Frank Zappa. Help us out this next number called Moonlight Man. Oh,
speak any French, so if you know anyone who's standing next to you that does speak French, ask him to translate for you. This is called If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You. Et sur ce morceau, il y a un invité, Frank Zappa.
think you are? Do you think you are? Do you think who? Do you think you are? Do you think you are? Do you think who? Do you think you are? Caravan avec Frank Zappa. Le titre du morceau, c'était « Si c'était à refaire, je le referais sur toi ». Caravan.
She gets back to me.
We're gonna raise. We're gonna raise. We're gonna raise. We're gonna raise. Somebody. Thank you.
par le vent. Thank you.
Thank you.
eyes are too small. She's too fat to go out in the daylight. So she rolls around all night. Ah, turquoise scarf, rolled up over a... Mert Montclair. Captain Bullshit! That's a good name, isn't it? You said that again. Thank you.
Captain Beefheart, and his magic man, Captain Beefheart.